Yo les gars, c'est MechAlec36Berry et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo là où je vais vous montrer une technique à deux balles que j'ai trouvé au fond de mon placard. Hein. C'est capable de le dire. J'ai trouvé un produit d'entretien au fond du placard. Ça sert à ramener les chromes. Alors je vais essayer de le passer sur le garde-boue de la mobilette 41S. Donc c'est la deuxième que j'ai là, que j'ai remonté un peu tout. Donc c'est parti, on va aller la chercher. Bon, voilà, la mobilette, elle est là, les mouches m'attaquent, hein, les chromes ils sont vraiment pas beaux à voir. Bon, je vais la sortir, je vais la ramener là-bas, on se retrouve après. Donc voilà les gars, on vient de sortir la Motovécan 41S, hein, qui est assez lourde, hein, parce qu'elle a pas les roues à l'arrière. Alors, c'est ça que je vais passer dessus pour ramener le chrome, une pierre d'argent. Alors, ça nettoie, polie, protège. Ça fait pas que le chrome, hein, ça fait plein d'autres choses, les casseroles, tout. Et donc du coup, je vais vous l'ouvrir. C'est un peu comme une pierre. C'est dur, blanc, et quand on vient frotter, ça, il y a un peu de poudre, comme une craie. Donc voilà, on va lire. Mode d'emploi. Sécher avec un chiffon doux de type microfibre pour retrouver un brillant parfait. Après utilisation, laissez sécher la pierre d'argent avant de refermer la boîte. Oui. Donc voilà, je vais chercher un microfibre. Donc voilà les gars, je viens de prendre mon microfibre qu'on va poser sur le côté. Donc on va venir avec l'éponge mouillée. On vient passer. Et on vient frotter jusqu'à temps que ça mousse, peut-être que j'ai un peu trop mouillé. Donc voilà, on fait mousser le produit. Hop. Ça a l'air de mousser. Hop. On vient prendre et on vient frotter. Peut-être un peu trop d'eau. On frotte. Donc hein, les gars, je filme ça hein, pendant que je suis en confinement. Et parce que j'ai vu sur la dernière vidéo, il y en a, ils pensaient que je faisais pas le confinement et tout. Et j'ai dit, bah si, je le fais et tout, comme tout. C'est une vidéo qui a été tournée avant. Et bah, du coup, il va dire, ouais, comme par hasard et tout. Donc bah, je l'ai laissé dire. Mais non, non, je l'avais vraiment tourné bien avant. Le soleil est revenu, ça c'est cool les gars. Ça permet de bricoler un petit peu d'or. Ça marche, ouais, ça marche super, même ça marche super. Donc on prend le microfibre, hop, je l'ai mis partout sur la côte.
On vient frotter et ça va ramener le chrome hein, quand même. Regardez, attendez, je vous prends le chrome. Il est comme ça là, il brille. Avant il était couleur passée là. Là ça brille pas du tout. Et là ça brille. Là ça l'a ramené. Je suis content. Je vais essayer de vous montrer. On vient passer là, même au milieu, pour bien faire une délimitation. Regardez. De ouf, j'aurais jamais pensé ça. Hop, on vient reprendre le microfibre et on vient essuyer. Ah, ça marche super bien. Je sais pas après si on le voit bien la caméra, mais ça marche super bien. On va essayer de mettre du scotch. Un travail de patience. Hop. On vient mettre ça de côté, on va reprendre nos microfibres et on vient essuyer. Voilà, voilà donc les gars, là j'arrive à me voir dedans, ça fait miroir par rapport en bas. Je vais enlever le scotch. Ah, si ça le ramène, ça le ramène. Tu vois le fruit là. Microfibre, ça le ramène un petit peu. Donc voilà les gars, hein, comme vous l'avez vu sur la vidéo, ça ramène super bien les chromes. Hein, je vous ai fait le garde-boue avant. Je vous ai montré aussi le pôle échappement en accéléré. Il me restera à faire les autres chromes, le reste et tout. Bien nettoyer, regarde. Bien nettoyer le pôle échappement avant parce qu'il est sale. Mais sinon ça ramène super bien les chromes là, ça brille bien par rapport à l'autre côté. On pourrait même en faire un miroir, regardez. Là c'est plus un chrome. Pareil hein, pour ça on arrive à se voir que quand on regarde l'autre là-bas là, c'est un gris, on dirait du gris et une peinture grise. Sauf que non, c'est un chrome à l'origine. C'est bien, ça l'a bien ramené, je suis bien content. On finira. Là où j'étais le plus stupéfait, c'est là ici, parce que comme vous le voyez, hein, y a une grosse démarcation. Ici j'ai essayé, ça fonctionne, mais c'est qu'ici c'est bien, c'est bien griffé. J'ai essayé aussi sur la peinture, hein, mais j'ai l'impression que ça chrome. Mais elle est piquée aussi. Donc voilà. À la place d'acheter du HP34 à 20 balles pour chromer, hein, vous voyez, ça fait très bien l'affaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me rejoindre, c'est sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste au-dessus là. Facebook, Instagram,
La page Facebook, hein, je vous invite en masse à y aller. N'hésitez pas à liker en dessous et s'abonner. Hein. Ça, c'est à faire automatiquement dès qu'on regarde une vidéo à moi. Il y a d'autres vidéos qui vont s'afficher là sur les côtés. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao! Je tiens à remercier très fortement KikiPrince97 d'avoir fait mon logo. Nouveau logo que vous pouvez remarquer. Il est très joli, très beau. Je le remercie, hein, je suis grave content de son boulot. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne YouTube, hein, c'est l'apprenti YouTuber. Allez, je vous laisse. Ciao!